Oui, Marty, et tu deviendras le champion du monde de Rubik's Cube. Salut tout le monde, c'est Alanis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Et alors là, c'est du lourd. Mais tout ce que vous voulez, mais c'est une putain de lourd. Alors vous le savez, il y a déjà un bon moment, il y a peut-être très longtemps, j'ai abandonné une certaine marque de Rubik's Cube. Non pas que ça ne me plaisait plus, enfin si effectivement, mais les performances n'étaient plus assez bonnes pour moi. J'ai décidé de racheter cette marque. Il y a un seul cube là-dedans. Donc déjà, pour vous dire que ce colis provient de lightech.com. Il s'agit bien du GAN 356R SM. Je l'ai acheté. Oui, je sais, je suis un taré. Je l'ai acheté, j'en ai rien à faire. Oh mon dieu, le meilleur cube qu'il puisse y avoir. Le plus cher aussi, mais bon, ça c'est dans une autre catégorie. Bon allez, on s'empresse de l'ouvrir. Nouveau cutter qui coupe tout, même le verre. Oh mon dieu, j'ai tellement hâte. C'est abusé. Bon, en tout cas, c'est bien emballé, visiblement. Petite boîte en plastique. Un petit bag avec des trucs à l'intérieur. On va couper le scotch. Voilà. Ça par contre ils n'ont pas pensé. C'est nul. Les gars, lorsque vous mettez du scotch, ne mettez pas ça sur du tissu. Du scotch industriel. Et please. Voilà, ce sac est foutu maintenant. Je bouille. Putain. Please, en plus ça colle, c'est horrible. Ça colle dans les mains. Alors, une petite business card de chez GAN, très lourde d'ailleurs, étonnamment. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ok, donc non, c'est juste des petits fascicules, on va dire. Ici, on a les GES, les GAN Elasticity Systems, comme vous pouvez le lire. On a deux boîtes, on a deux sets de trois. Donc les rouges, les oranges, les jaunes, les verts, les bleus et les violets. Ça, c'est la première fois que je vais découvrir ça. Enfin, en soi, j'ai déjà le Rubik GAN. Donc c'est vrai qu'il y a des GES dedans. Mais bon, je sais pas comment ça s'utilise. C'est des V2, il me semble. Ouais, voilà, GES V2. Voilà. Mais bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même ça. Et de l'autre. Et depuis, je suis en train de défoncer la boîte. Malheureusement... J'ai pas trop le choix. Ah mon dieu, j'ai tellement hâte. Alors pour information, j'ai déjà testé le GAN RSM. C'était au World Championship 2017. Yes. Et, il était déjà en fait en précommande, en preview. Voilà, en fait, on pouvait les tester là-bas. Et bah, j'ai craqué, je voulais l'acheter, mais bon, le vendeur nous a dit ah non, vous pouvez pas. Et il y a un endroit qui me fait putain de peur ici. Parce que le truc il est pas bien mis. Oulala. Comment on ouvre cette boîte? Ah d'accord, il y a toujours ça qui gêne. Mais c'est quoi ce bordel? Comment on ouvre cette boîte? Dites-le moi. Mais dites-le moi. Comment on fait pour ouvrir cette boîte? Mais c'est pas possible! Ouais, écoutez, je vous retrouve juste après. Je vous retrouve tout de suite, je vous fais une petite ellipse. Allez! Et voilà, je suis de retour.
En fait, c'était pas compliqué. Il fallait appuyer ici pour que ça ressort. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc le voilà. Oh, mon Dieu. Toujours avec des belles boîtes, même si les précédentes étaient plus belles. Oh mon Dieu. Ah, par contre, niveau couleur, ils sont vachement améliorés. Oh putain. Ça fait tellement. Oh mais ouais, mais le truc parfait limite. C'est abusé. Allez, c'est parti, on y va. On va ouvrir ce petit cube. Enfin, ce grand cube, en soi, maintenant, le dernier SM, c'est un peu un cube de luxe. Hein. Ça, je peux vous l'avouer. Oh mon Dieu, il est tellement léger. C'est abusé. Allez, premier tome. Putain, qu'il est trop bien. C'est abusé, mais c'est abusé. Je vous jure. Comment ça tourne? Il est léger. Mais il y a les magnets? Ah oui, ok, ouais. Ouais, j'avais du mal à les sentir, mais effectivement, non, ils sont là. Ce que j'aime bien dans le. En fait, j'avais pas voulu acheter le UM parce que je trouvais les magnets beaucoup trop présents. Et quand j'avais testé au World le SL, je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être l'occasion de se racheter, peut-être qu'il va être bien avec les magnets. Et ouais, il était vachement sympa, même si au World, c'est vrai que je sentais un peu plus les magnets. Mais là, je trouve que c'est parfait, quoi, je veux dire. Ils sont présents, pas trop. C'est largement suffisant. Meilleure stabilité, c'est sûr que. Bah Félix, je comprends pourquoi tu bats tes records avec ça, parce que là, incroyable ce cube. Mais vraiment pas. On va espérer passer la barre de 7-10. Ah ouais, non. Abusé quoi. C'est vraiment un super cube. Si vous avez les moyens et que vous avez vraiment un bon niveau, vous pouvez l'acheter. Après, si vraiment vous avez un bon niveau, si vous faites du 40 secondes, bon, ça vaut pas encore le coup. Il faut exploiter les cubes à son niveau. Et ben, en plus, un beau logo, comme d'habitude. Et ben, purée. Et dire qu'avant, ça ressemblait à ça. Ça, c'était le 356 V1. Bon, ça, c'est des autres stickers. Ensuite, on avait le 356 V2. Ouais. Et là, le RSM 356. Ouais, franchement, la différence est flagrante. C'est abusé. Bon. Eh ben, écoutez, je suis vraiment super, super content de cet achat. C'est un truc de dingue, en fait, quoi. Je veux dire, comment on peut faire des cubes comme ça? C'est abusé. Ah, je vais m'amuser avec ça. Bon, bah voilà, cet unboxing est à présent terminé, hein, ouais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!